Ça tire? Ouais, tu peux. Il a pas envie. Qui lui là? Il a pas envie de saluer nos. Non, non. Il a pas envie de saluer nos abonnés aujourd'hui. Non, il salut, il est magnéticien. Aujourd'hui, on pêche sur un spot. Yo. Ouais, je suis en mode spectateur là. C'est... Ouais. Qu'est-ce qu'on nous a fait? Tu veux l'indémodable? Sorte des petits clous. L'éternel. Oui, il y a l'indémodable aussi. L'éternel. Il y a l'indémodable aussi. Alors, ok, salut à toutes et à tous les amis. On va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pêche à l'aimant et aujourd'hui on a choisi un spot pas pratique, spot merdique, merdique, voilà, j'en conviens. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. On n'a pas, nous personnellement, on l'a pas beaucoup fait. On est déjà venu, mais on l'a pas beaucoup fait. Donc voilà. Donc. Un peu plus sur le côté qu'on a fait pas ici. Ouais. Où sont les petites trouilles que vous m'avez faites? Là. Tout à l'heure. Ouais, là, il y a le truc à Julien. Ouais, l'os de poulet du futur. Moi, ma chaîne, je sais pas, elle était au pied de. Made in, je ne sais pas. Il y avait un morceau de chaîne aussi, mais je sais pas où il est. Bon. Il s'est fait engloutir par la terre. Eh ben, on va continuer. Et quand il y a des trouvailles, on vous reprendra. A tout à l'heure, les copains. Ouais, bah là, plutôt... Ah, magnéticien, il a une prise. Est-ce qu'il y a pas le bouche? Oh. Ah, là, il a touché la bord comme ouais. Ça. Bah écoute ça, on dirait peut-être une. Je sais, pour les vieilles tringles à rideau à l'ancienne, vous en pensez quoi, non? Qu'un fil de pêche. Ouais. C'est une balle. C'est une balle ça? C'est le cul d'une balle. Ah ouais, t'as fait le cul d'une très vieille balle. Ouais. On aurait dit plutôt un morceau métallique. Ouais, mais je pense qu'il a raison. Après, je peux pas en être sûr. Je peux pas en être sûr. Un petit morceau de ressort et puis bah, une petite barre. Ok. Dans tous les cas, c'est une offense. On avait prévu un sac, mais on l'a pas sorti. Si, dans mon sac, on va. Ouais, bah, écoute, on va mettre ça ici. Voilà, on le ramassera après. L'effort surhumain de maniement. Non, moi c'est Hulk. Hein non, c'est Hulk. Hulk, ah ouais. Hulk aimant. Sens-tu de la tension ou non? Oh la Julia! Oh la... Ramène-nous un moteur de bateau! T'es encore avec ça toi? Oui, je veux mon moteur de bateau! Un moteur de bateau? Ouais, bah, tu vois, à Dunkerque, ils vont t'en sortir un. Attention, on a pas le planche ouais, parce mais que. À Dunkerque, il y a plein de bateaux, du coup, c'est pas étonnant. À 60, tu vois. Ouais, je pense que non, t'as strictement rien là. Si, la perruque a beau marrer. Ouais, ok. Allez les gars, on vous reprend après. Alors, voilà okay. Ce que je viens de faire. Un petit peu? Baisse, tourne-le un peu qu'on voit là. Là ici il y a un trou. Ouais. Ok. On pense que ça vient d'une porte. Bah moi je te mens pas, quand je l'ai sorti j'ai pensé début à une hache mais non c'est non, pas. Non c'est trop excentré. Non c'est pas possible que ce soit une hache puis ça serait plus tranchant je pense. Donc voilà. Même une hache il t'aurait pas ça. Ouais il y aurait pas. Et ça serait comme ça directement. Ouais. Bah écoute je sais pas du tout ce que c'est. Hein, si vous savez ce que c'est dites-le nous en commentaire. Une hélice de bateau. Tu me piques mes répliques toi maintenant c'est. Ouais. C'est moi qui non. Hein voilà. Là-bas, on a le maniement qui est complètement excité, mais bon. D'une médaille ouais. Olympique. Voilà, on a tout remis dans le sac. Okay. Allez, les gars, on vous reprend après. Oh, une grosse plaque. Mais choper quoi? Une grosse plaque. Ouais. Faut devenir du con. Ça. Ouais, on en a avec fait. Une lame de scie. Cassé. Ouais. On en a fait souvent des plaques comme ça, mais à mon avis, c'était pas ça que vous étiez en train de tirer là, les gars. Oh, non, c'était bien lourd. C'était plus lourd que ça. Qui met ses pieds. Merci. Voilà. Et là, tu dis que c'est quoi? Une lame de scie. Tu crois? Ouais, avec les dents là. Ah oui, encore, ouais, on voit les dents effectivement juste ici. On voit plus ça. C'est un bout de bosse. Ah non, ils ont remué la faune. Ils ont fait un nuage de CRS dans l'eau. Maniement, le remueur de faune. Bon, les gars, apparemment, enfin, c'est même pas apparemment parce que moi j'ai tiré dessus aussi. Arrête de montrer tes muscles là. Comme j'ai ça. Tiré dessus aussi et on a réussi à tirer un peu un objet lourd, mais on l'a pas eu. Donc on essaye de l'avoir. Je connais Hulk, bah c'est moi. Ouais. On essaye de le rattraper. Non, et si on y arrive, on vous reprend. De toute façon, on vous reprend et au prochain trouvaille. A tout à l'heure. Oui, d'origine, c'était blanc.
Maniement qui change son nœud, les gars. Qui change son nœud de corne. Regardez ce qu'il nous a fait. Hein, putain, il y a un bon. Avec du matériel retrouvé dans l'Aisne. Ah, mais... Voilà, il a coupé son ancien nœud. Bah, tiens, en même temps, on va vous faire, on va vous montrer un peu comment on fait pour accrocher les aimants. Julien, tu nous fais le nœud, comment il s'appelle, comment? Le nœud du pendu. Alors, regardez si jamais ça peut vous aider. Tu peux leur expliquer, Julien, en même temps, si ça te dit. Hein. Ouais, non, faire. Et là, faut faire deux nœuds, tu vois. Après, on passe au milieu des trois boucles. Ouais, ok. Et après, on tire. Et après, plus on tire, plus ça sert. Donc, le nom du pendu. Voilà. Et là, l'aimant, il bougera plus. Non. Un peu trop de mouche. Voilà. Relève-le un petit peu. Attends. Et voilà, là vous avez ce qui s'appelle un beau nœud du pendu. Et vous pouvez y aller avec tous les aimants, tous les types d'aimants. L'aimant, il partira pas. Et toi, tu nous as fait quoi? Un petit crochet, on dirait, comme un mousqueton qui a été coupé. Ouais, ok. Ça voilà. Marche. Poussez-vous, laissez passer les gens, s'il vous plaît. Il y avait d'autres choses à montrer, je ne sais plus. La plaque, on leur avait déjà montré. Ouais, il y a eu ça. Alors, en global, ce qu'il y a. Ouais. No fake, on a pêché de l'eau avec les vêtements et la pochette et tout. Ah ouais, super. Ok, bah. Ok, les gars, bon. Eh ben, nous, on continue. Et après, on vous reprend. À tout à l'heure. Bon, les gars, on filme ça là parce qu'on a eu une galère. Vas-y, je le nœud. Ouais, bah, on a le bulldog. Là, vous voyez que le bulldog 400 et le bulldog 800, ils sont collés ensemble, mais c'est normal. On va vous expliquer pourquoi. Tu as fait moi voir ça. Juste deux secondes, regardez. La corde à Julien, elle a cassé. Vous voyez, elle a cassé. Donc, ça fait que son bulldog, bah, il était perdu dans la zone que vous voyez là. Et du coup, on a été chercher celui-ci. On a été chercher le 520. On a fait des lancers avec. Là, par contre, on a réussi. Il a réussi à l'aimanter, les gars. Mais le problème, c'est que quand il l'a aimanté et qu'il a voulu le remonter, il s'est collé en bas à la pale planche là. Donc le seul moyen. On a dû prendre le grappin, aimant, on a tout pris. On a déployé grappin, vous voyez. Tout ce qu'on avait. Et la seule solution qu'on a trouvée quand on l'a vu là sous la pale planche là, et ben ça a été de coller le 400 à plat dessus. Mais au final, et ben je pense que la journée aurait pu très très mal tourner, mais on a eu de la chance. Et s'il vous plaît, ne remettez pas en doute la qualité de son nœud. C'est réellement la corde qui a cassé. Parce que là, il y a des grosses pierres. La corde s'est coincée dans des pierres ou je ne sais quoi. Et elle a cassé, malheureusement. Et bon, là, on est vraiment super soulagé parce que l'aimant, il était vraiment dans l'eau. Hein. Il était dans l'eau, il n'y avait plus de corde. Et on a réussi à le récupérer, heureusement, parce que j'étais vraiment dégoûté pour lui, le pauvre gamin, surtout que... Bah, sa vie privée, ça vous regarde pas, mais bon, il est apprenti et il gagne pas des millions. Donc un aimant comme ça, pour lui, c'est un budget. Bah, c'est quasiment la moitié de sa paye. Quasiment, ouais. Donc je suis bien soulagé pour lui, je suis content pour lui. Ah, mon pépère, t'es bien, là? Tu te sens mieux, hein? Ça fait du bien, hein? Ouais, au pire. Dans tous les cas, bah, on aurait été, enfin, vous auriez été dans l'eau, parce que moi perso j'aurais pas été, mais. Sinon, bah, en termes de trouvailles, il y a eu ça. De fait. Dans le sac, on a mis tout ce qu'on a fait, plus là. La corde, vu qu'elle a cassé, elle a pu. Le problème, voilà, c'est. Ok. Bon, à la limite, tu veux que je brûle le. Non, bon, on l'a récupéré, donc c'est une très bonne nouvelle. Et... Donc on va pouvoir continuer un peu et après on va reprendre. À tout à l'heure. Si vous êtes chaud, les gars, petite brochette, c'est des ressorts, ça. Ouais. Il y en a deux en plus. Ouais. C'est une petite plaque aussi, ouais. Une plaque quelconque. Ouais, bah c'est cool. Ouais, avec vu l'émotion qu'il vient d'avoir, Julien, il... tant qu'il aura pas réussi à faire quelque chose pour sa corde, il veut plus s'en servir. Donc voilà. Bon bah écoutez. On va le laisser terminer avec celui-ci pour aujourd'hui. Toi, l'émission de télé, c'est mon choix. Ouais, c'est ton choix, ouais. Et toi, là, t'as rien? Non, un petit pépère des débuts. Qui appartient au...
maintenant, ouais, qui appartient au caméraman maintenant. Est-ce qu'il s'en sert? Au départ, avec celui-là, j'ai fait un pédalier de vélo. Non, c'était pas celui-là. Non, c'était mon tout premier. C'était mon tout premier. Là, j'ai fait un truc tout à l'heure. Bonjour, monsieur. Non, j'ai fait ça tout à l'heure. Ouais, je l'ai montré ça. Ok. Soulagé, hein, Julien. Hein. Ça va mieux, hein. Et on est, je te dis, toi, honnêtement, tu t'es un miraculé, toi. C'est des aimants, t'as failli en perdre. V'là, on les a toujours récupérés. Et cette situation-là nous était jamais arrivée. Ah, mais là, le récupérer là-dedans, dans le, avec un autre aimant, sans voir où il, est, où il était, c'est... On appelle ça avoir une énorme, je dirais pas le mot, mais... Le cul bordé de nouilles. Voilà, le cul bordé de nouilles, on peut dire ça comme ça. Montre-nous un peu. Oh, oh, ça vient du pont, c'est vert. Un bel écrou. Ouah. T'en as eu autant de mal que ça à l'enlever. Ouais. Ah, t'as collé le... Pas de planche, ouais, bah oui. Ah, ouais. Ça, c'était couru d'avance que ça aille nous en... Oh, bah on va l'enlever. C'est... Ok. Bon, les gars. Allez, on... La vie, ça commence à bouger. On se dépatouille de ça et on vous reprend. À tout à l'heure. Ah ouais, non, mais là, quoi, tu vois, c'est vraiment... Bon, les enfants. La journée galère. Attends, de merde. Attends, parce qu'en fait, si on tire, du coup, s'il peut faire par... Après avoir perdu le bulldog et l'avoir récupéré... Par là, ouais. Le 500 a collé... Attention à vous. Il est là, là. Le 500, il a collé totalement. Au pas de planche, et on essaye, tant bien que mal, de le décoller, les gars. Ouais, vas-y. C'est bon, là, vous pouvez le remonter en hauteur. Il a bougé. Oh, putain, l'enculé. Faudrait que vous le gardiez une fois que j'ai mis. C'est la journée, c'est le spot, on a dit que c'était un spot un peu merdique au début. Il a rebougé ? Mais en fait, non, c'est un spot totalement, mais 100% galère, quoi. S'il faut que je tire sur le haut, vers le haut, dites-le moi. Ah ouais, non, mais là, les copains, c'est... C'est la galère absolue, là. Ah ouais, là, c'est journée galère. Bah, je crois qu'on va pas tarder à revaler. Hein. Oh, il a monté. Non, mais tirez. Oh, ouais. Oh, putain. Ah, essaye de prendre l'autre truc, Julien, l'autre truc. Ça sera plus pratique. Heureusement qu'il est collé. Mais vers si le haut, tu le tapes là, tu peux pas le taper pour qu'il dégage carrément. Ah. Oui, en plus c'est là. On voulait de pêche tranquille, posée, et au final, bah quand vous pouvez le constater. Ça va, mon fidèle. On commence à en avoir. Moi, je pense qu'on va. Bah ouais, je crois qu'on va partir bah, là, on, sur là, une on fin de pêche, non. Là, on fait une clôture, non. Non, on peut faire la clôture. Hein. On verra ça après. Et on part sur une fin de pêche ou pas? Ouais. Ouais, les gars, on vous reprend après. Bon, après cette belle journée de merde, là. Qui nous a plus coûté en muscles qu'en dépollution. Là, je vous montre quand même ce qu'on a fait. Tout est dans le sac, on va tout emmener. Le magnéticien qui remballe les aimants, là, ça y est, on a une autre dose. Histoire de se changer les idées un peu. Le sauveteur, il est là. Parce que là, franchement. Hein, on peut l'appeler le sauveteur, lui. Ouais. On peut l'appeler le sauveteur. Hein. On se plaignait qu'il faisait pas son boulot, mais là. Aussi, il a sauvé. Ouais, et le grappin qui nous a servi à sauver le sauveteur. En fait, le sauveteur a été sauvé. Enfin, bref, vous avez compris, ça a été. Je crois que ça a été une des pires journées. Hein. Une des pires journées. Bon, nous on remballe. Et on vous reprend. C'est bon. Ouais, ça y est, on fait la clôture, mon fidèle. Des émotions. Hein. Des émotions aujourd'hui, ça a été compliqué. Hein. Ne zoome pas sur ma tête. Hein, s'il te plaît. Ça a été. Sinon, les gars, pour vous voyez, aujourd'hui, ça a été plus que compliqué. On a failli perdre deux aimants. On a passé. Une bonne demi-heure à sauver le sauveteur, comme je vous ai dit, ça a été... Sauver la peine perdue. Ouais, il y a eu quelques trouvailles de fête quand même, mais bon... Pas extra, et la journée a été plus que compliquée. Maintenant, bah, ce spot-là, on sait qu'on pourra plus l'utiliser, on l'utilisera plus. Condamné, et puis bah voilà. Bon, nous les gars, sur ce, on va vous laisser. On va faire un plan du spot pour savoir lequel. Voilà, bon, bah, pour ceux qui veulent le plan du spot, voilà. C'est derrière moi. Tout ça là, on est à l'écluse de Cuffy, hein, on va dire où c'est parce que voilà,
On viendra plus jamais là. Bon, après, là. Change de plan. Terminé. Ouais, je sais. Terminé. C'est pour ça que je prends comme ça maintenant. Bon, vous venez tous à côté de moi pour faire un plan. Ouais, mets-toi là, s'il te plaît. Allez, venez. Bon, sur ce, tout... pour une fois, il y a toute la team à la cam. C'est rare, mais ça arrive. Ouais. Bon, sur ce, les copains, eh ben, nous, on va vous laisser. Vous connaissez le principe des vidéos. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous la verrez. Et on se reprend bientôt pour de nouvelles pêches à l'aimant. À bientôt, les copains. Tout le monde.